crier trop fort, c'est qu'il tire au milieu d'un gris, sinon Oxyga il va nous crier dessus après. Non mais il a raison parce que tout à l'heure c'était quand même le Zbul quand même. Non, 8 personnes vrai, derrière le casque quand même. En vrai mec, c'est normal quand le match est hype ouais, que ça accélère. Ouais, non, mais c'est normal. J'ai pas le métier, c'est comme ça partout dans toutes les venues. C'est pas le contraire, c'est surtout qu'en fait le stream ne devrait pas être aussi proche je pense du. Alors ça c'est le problème, c'est que le stream pour qu'il soit facile à monter on met juste à côté. Ouais, oui, bien sûr. Après effectivement quand t'as un stream qui est préfait tu peux le mettre très loin, c'est pas grave. Mais là c'est moins complexe comme orga et du coup c'est plus près. Bon. Mais c'est pas grave. Oh, du coup notre cher Oxyga contre Kishiro, des habitués du coup de LEGGS. Qui sont en loser quarter, je rappelle quand même qu'ils ne sont pas du tout en winner side, ils sont pas du tout temple 1. Le gagnant de ce match ne finira même pas faire top 4 ou dans le top 4. Ah, c'est vrai, c'est un match de l'entrée du top 8 ça. De l'entrée où. Oh allez, on trouve cette grenade de fer et on perd la stock. Oh la dingue. Kiro qui se fait malaxer dès le début. Ah ouais, c'était violent ça. Comment Oxyga, de toute façon, il est deuxième dans le pair bordelais bientôt. Deuxième dans le PR Bordeaux. Troisième. Toi, Momo, Oxyga. Pour moi, c'est ça. Hein. Là, pour, actuellement, de les perdre Oxyga et comment il joue, c'est ça en fait. Tu vois. Ah, ça. Moi, j'ai toujours dit qu'Oxyga, c'était un snake que j'adorais regarder parce que je le trouve très inventif dans ce qu'il fait. Oh, ça tue ouais. Oh là, là, c'est un festival ce qui se passe là. Alors, on vient de se faire, mais déglinguer. J'ai vu la bouche de Kichiro, elle a fait un oh, comme ça, elle a fait oh. Ça fait une minute de jeu actuellement et on a déjà perdu deux stocks du côté de Kichiro. On est Sonic, je rappelle quand même. On est Sonic du côté de Kichiro et on perd ses stocks à une vitesse grand V. Oh, Dash Prof qui lance un raid de 51 personnes, vous venez de rater des dingueries. Ah, les gars. Salut Dash Prof. Salut Prof, ça va. Bah c'est Spectral qui caste ouais, avec Dasher. Donc toi et moi on se revoit bientôt de toute façon. Et merci pour le raid, ça fait très plaisir vraiment. Ouais, et là vous venez de rater double dinguerie. Vous venez de rater ouais. Dash Attack, grenade fer exactement. Et vous venez de rater Up Smash C4 avec le C4 qui était en sticky. C'était une dinguerie. Genre. Ouais, ouais, non, c'était salut très bien. Joué. Salut tous les viewers ouais, de Prof. Bah oui, mais bienvenue à tous. Hein. Exactement, là ça fait plaisir parce qu'on est sur une bonne weekly. Hein. Il y a vraiment du bon niveau. Hein. Donc ça fait plaisir que Dash Prof du coup de faire ça. Mais ouais, bah t'inquiète, c'est pas grave. Hein. Je pense qu'il va y avoir d'autres dingueries. Hein. À Bordeaux, les dingueries sont toujours ouvertes, il n'y a pas d'heure de fermeture. Et oh non, non, le Smash qui déconnecte, ah, le père. Attends, on s'est rattrapé nous. Kiro a fait un énorme comeback, on est actuellement sur 58% perdu, juste sur genre deux stocks entiers du côté d'Oxyga, donc on est vraiment sur un comeback assez t'es mal à la taille du comeback. Mais là, je pense que Oxyga n'est pas d'accord, je vais pas te mentir. Quand on voit. Enfin, le Sage Trap, il va être mortel, je pense. Si Kishiro n'arrive pas à en sortir. Non, ok, il a réussi à s'en sortir. Le setup est de l'ombre. Ça va être compliqué. Aïe aïe aïe, mais là on va commencer à chercher le kill, le kill peut-être en entière ou pas. Non, on va pas mais on cherche le set play un peu bizarre contre Snake, c'est risqué de faire ça. On peut être à jour la commande bracket, les amis. Ah, ah ouais, c'est vrai qu'on a toujours un bracket un peu en retard. Est-ce qu'on a un truc pour leur envoyer le bracket? Bonjour, oui, vous avez un site? Vous avez l'écran qui est Je sais pas comment fonctionne le Ouais, attends, j'y vais juste après ce match là. Je vous mets le bracket dans le. Et il est mort. Oh ouais, Donner, ok. Non, c'est mort. Non, Donner, ça tuera pas. Attends, désolé, prof, je t'envoie le truc. Je vais ouais, ça fait un speed dans 5 sur le Nikita. Ok, neutral B, on follow up pas. La grenade, malheureusement, attends, à 155, ton cul. On est. Ah ouais, on est mort. Oh, il y a une grenade. Il y a une grenade dans le. On meurt une grenade. De Kishiro. Alors, t'as un écran bracket. Attends, mais sinon, on copie comme ça. Copier. Non, tu peux leur montrer le bracket. Ouais, mais il veut la commande, là, je pense. Regarde. Mais comment on change la commande? Comment on fait coller là-dedans? Tu veux faire copier-colle? Ouais. Tu fais CTRL-V là? Ah oui, je suis. Hop. Oh là là. Oh, le pro de la technologie spectrale. On est là. Hop. Voilà. Un beau bracket comme on aime. T'inquiète pas, Dash, on va voir ça avec Fox après. Ouais, désolé, prof, je suis un peu stressé. Score, là, il se passe des choses. Ouais, évidemment, le score. Du coup, c'est 1-0 pour Oxyga. Bon, c'est, ma main, instinctivement, elle est partie vers Kichiro, mais non. C'est ouais, pareil, je te comprends. Mais du coup. On enchaîne directement cette game numéro 2 de cette loser quarter de l'EGVS numéro 24 avec un Oxyga qui nous a montré des belles choses mais un Kishiro qui n'en démarre pas en fait. Ouais, c'est ouais. Terrible. Kishiro ouais, qui est très fort dans les combats, qui est capable de chercher les Edgar un peu clutch, les gros juggles bien risqués, bien high risk, high reward. C'est un joueur qui n'hésite pas à jouer là-dessus. C'est vrai que Sonic là-dessus ça peut arnaquer des stocks. Hein. Pour l'instant. Je pense que Kishiro là il est pas du tout content de la game numéro 1 et on va se retrouver du coup sur un game plan un peu différent et on va jouer ce fameux Sonic qu'on connaît si bien. Voilà. Écoute prof, t'as qu'à inviter Kata pour jeudi là. On se fait un petit show match contre Kata online là. Oh là, oh, dommage on n'a pas trouvé le Lightner into back air ou into F smash, c'est dommage, mais en tout cas on est toujours pas en désavantage et on est. Oh le smash ça tue. Non, oh non, la grenade. C'est tellement raciste ce que je suis en train de voir actuellement. Ah, je suis trop triste. Oh le smash en rythme de roll. Waouh. Bien vu. Le dashback F smash en plus c'était safe donc c'était vraiment high reward et low risk. Donc franchement très très bonne idée de part de Kichiro qui maintenant peut se permettre de jouer la montre. On connaît Kichiro, on sait qu'il est capable de jouer la montre à un game ça. Là on va se retrouver du coup sur vraiment comment edit bracket.
Ah oui, ben merci. Le bot, comment ça? Ah merci, ouais, Widado, il modo le, même le chat à deux pas chez lui, genre. Merci. Il modo tout. Non mais ça fait plaisir, merci. Ah bah écoute, merci Widado, je testerai là juste après le set parce que... Bonne soirée à toi, oui, exactement. Et ouais, des gros bisous Widado. Hein. À jeudi, bon. Donc là, voilà, voilà, on est sur... Donc, on joue le lead. Le, ouais, on joue le lead et c'est exactement ce qu'on cherche du côté de Kishiro. Voilà, regarde. On commit, on se punit, on, voilà, on tente rien du côté de Kishiro vraiment de dangereux. Oh, voilà, on se perd. Oh, on a loupé le back air, dommage. On prend ce. On se fait un petit. Oh, oh non, la, quoi, la grenade elle tue. Mais en fait, elle tue, c'est l'Okoyor, mais qu'elle touche. Mais en fait, c'est surtout que Kishiro il capte pas, mais il a la grenade sur lui. Juste la grenade. Il a toujours une grenade sur lui. Non, en fait. Il a envoyé la grenade. Il l'a envoyé. Ouais, il a fait une obstruction. Ah la ouais, grenade, ah, j'avais la grenade elle l'a rattrapé. En fait, je me suis dit, vu le timing, elle explosera avant de le toucher. Et elle a vraiment explosé à quelques pixels de le toucher, et du coup, elle l'a touché. Oh là là, on se fait au smash. On a Bessie là du côté de. Kichiro il a dit I'm out. Il a fait up B, il est parti. Il a fait Rico à la Snake. Il fait regarde, regarde ce que tu me fais subir moi à chaque fois que j'essaie de te l'échapper et que tu te barres à 2 km là. Oh là là, mais on a. Moi aussi je peux faire ça. On a Oxyga quand même qui vraiment ne déconne zéro. Alors, en fait, on, quand tu passes, tu l'as vu, mais là il n'a pas bougé. Il attendait genre une action, n'importe quoi, et il savait qu'il était safe. Oh, ça fait des grands dash up tilt là. C'est assez présomptueux quand même. Hein. Ça, ouais, c'est... ouais, ouais, là c'est. Après, c'est présomptueux, c'est le up tilt de Snake. On a le ouais, droit. Mais on peut. Non, mais même un shield aussi proche. Encore un dash back F-smash, on a chopé cette 3. Il se prend la C4 aussi, je sais pas si t'as vu. Ouais, 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 et là attention à la C4. Ouais, le back, back air. On a plus de saut, je crois. On a plus de saut. Ouais, mais on. Ouais. Ah là là, voilà, on a voilà. Plus de saut et on va exploiter ça magnifiquement du côté de Kichiro qui aurait même trade avec la grenade, il s'en fout. Salut Chloe. Ouais, salut hein, tous les gars qui arrivent sur le chat. Hein, désolé si j'en ai oublié. Bah là, du coup, encore une fois, on peut jouer le lead. Hein, on a une stock d'avance. On est à quel pourcent ceci dit, donc c'est peut-être un peu moins safe que tout à l'heure quand on était à 56. En fait, faire exploser les grenades sur Snake, c'est pas une mauvaise idée parce que vraiment là, on se permet de faire tout ce qu'on veut du côté de Kishiro. Tant qu'on se prend pas un up tilt, un C4, on est vraiment bien. On est vraiment bien. Bah, en fait, dites-vous que Snake, c'est un peu comme un jongleur. Vous voyez, il a les trucs qui se balancent comme ça à lui-même, toujours au même timing. Et du coup, il est forcément. Ah, il y a une nerf qui prend un stock. Wow. Il a toujours forcément le même timing avec ses trucs. Et du coup, si t'en chopes un et que tu lui déranges ce cycle et que tu lui renvoies, bah, en fait, il se retrouve à se perdre dans son jonglage et il se retrouve avec ses vrais, c'est plus quoi en faire. Alors, c'est comme un jongleur qui se perd. Là en fait c'est Dasher de la G4S et du coup Spectral, oui exactement c'est Spectral. Oh, mon dieu. Toi ça va pas tuer de toute façon. Le père tue pas très ouais, bien. Ouais mais là regarde Kizak qui va peut-être faire un comeback parce qu'on est quand même juste sur une vingtaine de pourcents, une vingtaine de pourcents pour Snake, c'est quoi? C'est rien du tout. Je voilà. Rappelle pour, quoi, pour le chat que c'est BO3, hein. C'est encore BO3 ouais, pour l'instant, donc, c'est BO5 que pour les finales. Donc là on peut clairement avoir une game qui définit le set en fait. Ça fait. Faut faire très attention parce que là du côté de Kishiro on peut aussi tout autant mourir. En fait, on peut mourir plus facilement que. Oh, on fallait pas s'endormir au ledge là. Fallait roll, hein, ça c'est sûr. Fallait vraiment pas s'endormir. Fallait full roll parce que là, on se prenait. Toutes les options, c'était la mort. Hein. Ouais, ouais. La si on waitait en fait. Encore ce F-Smash, mais qui aurait pas tué. Donc oh là, je suis un peu curieux du choix de punish de Kichiro. Je pense qu'il y avait mieux à faire, peut-être un combo starter, un truc comme ça, un air sour spot. Le problème, c'est que du côté de Oxygar, les coups sont rendus du côté de Kichiro. Donc en fait, on est. Oh, ah, on a loupé la punish. On aurait EPR, ça aurait ouais, tué. Ouais, c'était la mort. C'était totalement. On a peut-être mal ri de la DI. On se protège de ce neutral B avec. Je pense qu'on va mourir. Cette interaction là, c'est fait ou quoi? Oh non, le type, tu l'as vu! Il allait sortir le type! Il était pas loin. Non! Pourquoi tu sautes, Oxyga? Pourquoi tu sautes? Tu me fais peur quand tu fais ça! Et là, la back air. Ah, est-ce qu'il va les garder? Est-ce qu'il va les garder? Oh! Oh là là! Oh là là, non, en fait, on allez, a roule Rico avec cette grenade, mais on. En fait, Kishiro attendait! Il attendait juste le retour directement. Dans le milieu, c'est Caster, c'est Dasher Spectral. Oui, c'est Dasher Spectral, exactement. Et pour vous servir. Ouais, ouais, c'est. Putain, c'est une bonne conversion là, le F1, j'aurais pas cru qu'il touchait, mais. Non, bah, c'était incroyable. C'était un partout. Et bah, ça va faire un set bien serré, je sens. Hein. Kichiro qui a l'air d'être adepte des sets qui durent longtemps. Ouais, Bordeaux. Ouais, Bordeaux, hein, Bordeaux représente, ouais. Le pâté vin rouge. Bah, en tout cas. Et prof, hésite pas à rester pour venir regarder la finale, comme ça tu me donneras des conseils sur pourquoi je perds Constive. Et si je gagne, tu me donneras des conseils sur pourquoi je gagne Constive. Bah, en tout cas, j'ai. Il paye le sub si tu gagnes. Ça fait. Elle sait que je suis déjà sub, moi, prof. Donc, Ah oui. Et oui. Ici, on a les bons bails, hein. on sait reconnaître un streamer de qualité. On est sur la dernière game. Ouais, je suis une petite pub, hein, prof qui fait du coaching tous les soirs le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. En fait, il fait du coaching tous les soirs et il fait souvent des événements spéciaux. N'hésitez pas à aller check ses plannings et ses emplois du temps. Hein, c'est non, mais c'est génial. Mais quand même, je te rappelle qu'on va perdre l'un des deux joueurs actuellement. Oui, c'est vrai. C'est extrêmement triste. Que ce soit Kishiro, que ce soit Oxyga. Ok, on est sur un magnifique fer. Oh, on fait ce B, on empêche le dash attack. On se prend quand même le dash attack. Est-ce que ce ledge trap va être salvateur du côté d'Oxyga parce qu'on sait que ça peut aller vite du côté de Snake? Oh, il y a des explosions. Oh partout, c'est 945 là. Oh, peut-être. Oh là là. Non, on a gardé son saut. On a pas dormi du côté de. Ouais. Oh, ouais. Mais on se fait full le gars. Attention, attention, on va devoir rien. Ça fait trop peur. Oh là 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 là, dommage, le timing était à quelques frames près. Ah, donne tilt top tilt pour choper ce saut un peu au-dessus là. On a anti-air bien comme il fallait. Kichiro qui se fait un peu corner, hein, et les grenades qui l'empêchent de circuler comme il voudrait.
Lancer une grenade dash attack. Ah, on score tout seul. Oh, Ninjama aussi. Le Tiki ne tuera pas. On est sur. Oh, l'attendait, mais on a mis une couche. Je pense qu'on s'est trompé de côté du côté de Oxyga. J'ai l'impression qu'à kill pourcent, tout ce que veut Oxyga, c'est bloquer son adversaire en shield. Et une fois qu'il sait que le mec va shield, il peut piffer un shield. C'est pas grave, ce sera safe et ça tuera. Donc tout ce qu'il veut, c'est être sûr que son adversaire shield bien pour placer un up tilt. Tu sais que c'est punissable en plus. Tu sais que quand t'es vraiment aucun comme ça avec un up tilt, tu peux juste faire genre F-tilt. Genre, c'est vraiment. Ouais, non, mais c'est pas punissable que ça, mais ça fait trop peur en fait d'essayer de faire ça. Tu sais que s'il spam, tu sais pas trop si dans le CP tu vas perdre ou pas. Et si tu connais pas par cœur l'interaction, tu vas te faire défoncer. Ouais, non, mais c'est réel. Non, je suis d'accord avec toi. Parce qu'après, on peut faire un petit auto-shield, donc bon. Aïe aïe aïe. Là, on est mort. On a pas voulu du coup envoyer les scrolls directement. On a fait un escroc en off-stage et là, on va essayer le lèche-crame. Du coup, on est vraiment à kill pourcent dans tous les cas pour les deux joueurs. Ça prouve qu'on respecte le désap Kichiro, n'empêche, parce qu'une Dunstro, ça aurait été sur une ride, ça aurait pu tuer. Et on s'est dit, non, pas contre Kichiro, je vais pas avoir la ride. Je vais plutôt faire la escroc bien safe pour l'envoyer en dehors du stage. Oh là là. Oh, on a trouvé cette play de zinzin. Non, mais on a quand même trouvé un petit, mais river sur. Je crois que c'est pas sur Bordeaux, Claude. Je sais pas ce que tu racontes. Mais on fait vraiment plaisir. Oh, le backer? Non, mais non. Quoi? Alors, on a voulu vraiment l'end de manière agressive du côté d'Oxyga parce que jamais on se prend un down smash autant chargé comme ça. En fait, le problème c'est que le backer n'est pas disjoint et du coup, bah, dès que t'essayes de contest, tu fais. Surtout qu'il a low profile en plus. Oh là là, mais regarde-moi comment ils sont ultra agressifs quand même. Ils ont pas peur, les gars. Alors qu'on est quand même Sonic Snake et c'est des personnages de base qui sont assez campy, assez calmes de base et qui attendent vraiment les heures. Mais là, en fait, vu que les deux personnages ne s'assemblent pas du tout, bah, en fait, on est vraiment sur deux gameplans totalement agressifs. En fait, c'est très bizarre. Il y a pas de calme, okay, il y a dash attaque. On a que 60% à rattraper le côté de Shiro et on peut totalement le faire une interaction. Ah, ça tape beaucoup là. Ok, on va se faire un peu camper là du côté de Kichiro. Oh, le side B, non, on a Zayin, bien vu, hein, de la part d'Oxyga, une Diaya, où t'aurais peut-être tué ce qu'on va faire. Après, il aura amené très très loin après de la blast zone. Et là, attention, on setup un petit peu le ledge trap. On reste mobile côté de Kichiro et on prend le C4, ouais, malheureusement. On la voyait en plus, on la voyait très très bien, mais on est quand même y allé du côté de Kichiro et on attendait que ça du côté d'Oxyga. C'est dommage. Oh là là, voilà. Oh. On va racabler damage du côté de Kichiro. On s'en fiche, on est très bien, on est que 80%. Et on saute encore et on se cut tout seul son jump, c'est risqué. Voilà, on fait des spots dodge assez aléatoires du côté de Doxiga, mais ça passe parce que Kichiro n'arrive pas du tout à se calmer et à retrouver une pace dans la game qui est normale. Bah, je sais pas, là en vrai il a l'air calme, mais tu vois, c'est comme s'il avait le lead alors qu'il l'a pas. Non, ouais, c'est ça, il joue comme s'il avait le lead, mais faut pas mettre la pression. Voilà, le nerf, ok, ça va choper le juggle, le upper, on va pas le chercher avec le trampo. On a respecté son lead. Il y a une C4 sur le. On a fait une bonne air dodge en mode, encore une fois, I'm out. I disappear, I not here anymore. Oh, le neutral B, le F-tilt, on a la grenade, non? Là, on va pouvoir. Je garde du côté de Kichiro, non, on n'arrive pas à trouver. Ah, on va peut-être se faire reverse! On va peut-être se faire reverse du côté de Kichiro, on est vraiment. Oh là 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 là! Où se désa de zinzin? C'était très très bizarre. Ok, F-tilt, voilà. Est-ce qu'on va choper? Il a plus de saut! Non, on va pas choper, Kichiro, vas-y, s'il te plaît! En fait, on a trop peur d'aller chercher Snake. Ce que je peux comprendre, mais. Regarde, là, Backer, voilà. Backer, il peut rien faire. Là, c'était bien. Maintenant, j'ai le reach pas le stage. Donc, on est à 80% de retard. Donc, maintenant, il faut réussir à revenir dans le game. Voilà. Voilà. Voilà, là, là, Kichiro. 46 dégâts. Ouais, on est vraiment. Il y a plus de dodge. Non, il s'est précipité sur sa punition. Ouais, en fait, il voulait tellement punir. On pensait qu'on allait drift out du côté de Kigan. Mais en fait, on est totalement collé le stage. Et au final, on revient alors qu'on avait cramé une option défensive énorme. Ah, non, le père, encore une fois, on read mal la DI ou on y réagit mal, je ne sais pas, en tout cas, on ne choppera pas le follow-up. Il y a quelqu'un qui va gueuler, je pense, quand il va perdre son game. Si c'est Kichiro, il gueule pas trop, ça va. Ouais, mais si. Oh là 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 là. Rien. Le fer, attention, on va cut le saut. C'est tellement close du côté des deux joueurs parce que là on revient tout le temps, on a toujours un comeback du côté des deux joueurs. On peut tuer tellement rapidement, mais en même temps, c'est tellement compliqué. Le ledge trap, il peut tellement faire peur contre Sonic. Ok, le revient encore une fois. Oh là 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 là. Non, on essaie de choper la rolling, c'est pas on passé. On a fini sur une dash attack parce qu'on avait que ça du coup dans la manche. Faut faire attention. Faut faire très gaffe parce que là vous sont à kill pourcent, je pense que c'est inutile de le préciser. Il y a une interaction qui va se passer, c'est la fin. Ok, oula. La grenade. Non, pas de EPR. Oh là 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 là. En plus, on a loupé le spin dash du côté de Kichiro, donc on a pas réussi à follow up. Ça y est, ça veut choper. On va trouver un truc, je pense, du côté de. On a sauté le côté de Shiro. Oh, ça va être terrible celui qui apprend cette game parce qu'on est vraiment sur rien du tout. Oh, la patience de Kichiro. Mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Là, le F7, ça tue pas encore. Allez, faut tuer. Le backer peut-être. Le backer serait intéquable. Il a pas backer. Le Don't Smash on the frame. On a pari Cypher into Don't Smash. Ah, c'était un truc de zinzin ce match. C'était n'importe quoi ce match. Waouh. C'était du beau niveau qui était proposé. Alors on a eu une belle gestion du neutral de la part des deux, une belle patience, du acid last stock vraiment comme on aime. C'était magnifique. C'était trop tendu.